Bon, il va me falloir des kilomètres de laine pour tisser une nouvelle toile. J'avais pourtant prévenu mon mari de ne pas partir en voyage, de ne pas aller à la conquête de Troie. Il n'y a rien à faire. Il est quand même parti. Bah, il va rester confiné là-bas, tant pis. Bon, pourvu qu'il ne soit pas confiné à Sparte avec la belle Hélène. Sinon, ça va barder pour lui. Mais plus sérieusement, je m'adresse à tous les élèves de 6e 6, 6e 5, 5e 6 et 4e 7. Franchement, restez chez vous, faites pas comme Ulysse. Hein. Ne prenez pas les voiles et restez confinés à la maison, c'est une question de santé. Si vous voulez rester en bonne santé et qu'on se revoie tous, restez confinés. Protégez aussi les vôtres et aidez les gens qui travaillent dans les hôpitaux à avoir moins de travail, justement. Je voulais vous dire que je vous aimais très très fort, vous me manquez vraiment beaucoup, et occupez-vous, faites comme moi, tissez, lisez, écrivez des textes, faites des dessins, comme vous voulez, mais occupez-vous et ne sortez pas de chez vous. On vous aime très très fort, on espère vous revoir très vite. Par contre, un petit mot pour les parents, sachez que à la rentrée, dès que je verrai vos enfants, si j'ai le droit ou pas le droit, de toute façon, je le ferai, je les embrasserai tous. On vous aime très fort.